أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour mes chers étudiants. اليوم سوف نكمل دوسي زيرو، وهو يتعرف عن مبادئ اللغة الفرنسية. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم من جديد. Maintenant, concentrez-vous avec moi. On va parler du dossier zéro. الوحدة رقم صفر. أرجو أن يكون معكم كتاب التلميذ. هل أنتم مستعدين؟ هيا بنا. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? J'apprends. Les jours de la semaine. Ayam al-usbu'. D'accord? Quels sont les jours de la semaine? On va commencer par dimanche. C'est quoi dimanche? Dimanche, c'est le premier jour de l'école. Yom al-ahad. Après le dimanche, on a le lundi. On répète. Lundi. Yom l'tnin. Et après le lundi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mardi. Répétez après moi. Mardi. Puis, on a mercredi. Bravo. On répète. Mercredi. Après, jeudi. Bravo. Le jeudi. Vendredi. On répète. Vendredi. Vous êtes excellent. On continue. Samedi. Bravo. On répète. Samedi. Maintenant, on a vu les jours de la semaine. Donc, on a le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Alors, ça fait combien de jours? Bravo, ça fait 7 jours. Maintenant, je vous laisse pour regarder la chanson. Écoutez bien et répétez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, il y a 7 jours dans la semaine. Il y a 7 jours. Samedi, dimanche, il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 jours. Regardez ce tableau. On est en France. Nahnu l'an fi Faransa. Quels sont les jours d'école et de travail? C'est quoi l'école en arabe? L'école, ça veut dire al-madrasa. Et le travail, c'est le... c'est quoi? Wal-shughl. D'accord? Donc, en France, on travaille le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. D'accord? Et puis, pour le week-end, ou les jours de congé, on se repose le samedi et le dimanche. D'accord? C'est le week-end. Mais alors, au Koweït, quand on travaille au Koweït, est-ce que c'est
comme en France? Non, c'est différent. Au Koweït, on commence le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ce sont les jours d'école et de travail. Mais alors le week-end, c'est quel jour? Bravo! C'est le vendredi et le samedi. Vous avez compris? Très bien. On continue. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez le cahier d'activité, page 13. D'accord? افتحوا دفتر التمارين الصفحة 13. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. On va lire la question. Tu complètes avec les jours de la semaine. Et ça veut dire quoi tu complètes? Tu complètes, ça veut dire Ekmel. Avec les jours de la semaine. Et c'est quoi les jours de la semaine? Les jours de la semaine, c'est Ayam l'Esbou. Et on a vu comment dire les jours de la semaine en français. Allez, concentrez-vous. Numéro 1. Question numéro 1. Les jours de la semaine sont? Allez, répondez. Samedi, dimanche, lundi, et après le lundi, qu'est-ce qu'il y a? Bravo! Mardi, mercredi, jeudi et le... Bravo! Vendredi. Maintenant, on a vu les 7 jours de la semaine. Maintenant, en France, quels sont les 2 jours de congé? Congé, ça veut dire week-end. Alors, quels sont les 2 jours de congé ou les 2 jours de week-end en France? Bravo! C'est le samedi et dimanche. Maintenant, je pose la même question au Koweït. Quels sont les jours de week-end ou les jours de congé au Koweït? Est-ce que c'est comme la France? Non. C'est le vendredi et le samedi. Bravo. Maintenant, il faut apprendre par cœur les jours de la semaine. On va maintenant voir et se concentrer sur les mois et les saisons de l'année. Et c'est quoi les mois en arabe? Al-ashhur, d'accord? Et je répète, et retenez bien le mot mois. Les mois, al-ashhur, au-shahar. Et les saisons de l'année, c'est quoi les saisons de l'année? C'est comme en anglais, season, d'accord? Fusul al-arba'a, de l'année, al-sanawiyya. Allez, vous êtes prêts? On y va. Quelles sont les 4 saisons de l'année? Ça veut dire quoi 4? 4, ça veut dire arba'a. D'accord? Allez, quelle est la première saison? Observez cette image. Alors, vous avez deviné? Bravo! C'est l'hiver. Répétez avec moi. L'hiver. Observez cette image. C'est quelle saison? Vous êtes excellent, c'est le printemps, Arabie. Observez cette image. C'est quelle saison? Bravo, c'est l'automne. Répétez, l'automne. Et cette image, quelle est la dernière saison? Bravo, c'est l'été. Répétez l'été. Allez, on relit les 4 saisons. Quelles sont les 4 saisons de l'année? La première saison, c'est l'hiver. La deuxième saison, c'est le printemps. La troisième saison, c'est l'automne. Et la quatrième saison est l'été. D'accord? On continue. Maintenant, je veux que vous ouvrez le cahier d'activité, page 13.
افتحوا دفتر التمارين الصفحة رقم 13. هيا بنا. Les quatre saisons. الفصول الأربعة. Compléter. Ça veut dire quoi compléter? اكملوا. Allez, on lit la première question. Les quatre saisons sont. Je vous laisse un peu de temps. Allez, on corrige. Alors, les quatre saisons sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. D'accord? Je répète. Les quatre saisons sont le printemps, répétez. Le printemps, l'été, répétez. L'été, l'automne, l'automne et l'hiver. Et l'hiver. D'accord? Allez, on continue pour la deuxième question. L apostrophe est en décembre, en janvier et en février. Alors, quelle est la saison qui est au mois de décembre, de janvier et de février? À votre avis? Bravo! C'est l'hiver, d'accord? L'hiver est en décembre, en janvier et en février. Maintenant, on passe à la troisième question. L'apostrophe espace est en juin, juillet et août. Quelle est la saison qui se trouve en juin, en juillet et en août? Je vous laisse un peu de temps pour deviner. Bravo! C'est l'été. L'été est en juin, en juillet et en août. Maintenant, le mois numéro 9 est, espace, c'est la rentrée à l'école. Je pense que tout le monde connaît la réponse. Alors, en quel mois on rentre à l'école? Et c'est quoi école en arabe? Al-madrasa. En quel mois on rentre à l'école? Bravo, c'est très facile. C'est en septembre. D'accord? Bravo. Maintenant, on a vu les quatre saisons, al-fusul al-arba'a. Maintenant, on va voir les mois. Et c'est quoi les mois? Al-ashhur. D'accord? Allez, on va commencer par le mois 12. D'accord? Comment s'appelle ce mois? C'est le mois décembre. D'accord? Décembre. December. C'est très facile. D'accord? Et après, on a janvier, qui est le mois 1. Répétez, janvier. Yanayr. Et après, on a le mois 2. C'est quel mois? C'est aussi très, très facile. C'est le mois février. Répétez, février. On continue. Dans ces mois-là, décembre, janvier et février, c'est quelle saison? C'est l'hiver, parce qu'il fait froid. D'accord? On répète l'hiver. Maintenant, le mois 3. C'est très facile aussi. C'est le mois de mars. Répétez, mars. On a aussi le quatrième mois, le mois 4. C'est le mois d'avril. Répétez, avril. Et après, on a le mois 5 ou le cinquième mois. C'est le mois de mai. Répétez, mai. Donc, on a le mois de mars, avril et mai. Bon, à votre avis, c'est quelle saison? Observez cette image. Quelle belle image! Bravo! C'est le printemps. Répétez, c'est le printemps. Maintenant, on continue. On a le mois 6 ou le sixième mois. C'est juin. On répète, juin. On a aussi le mois 7 ou le septième mois. C'est juillet. Répétez, juillet.
Et après, on a le mois 8, ou le huitième mois. C'est août. Allez, on répète ces trois mois. Juin, juillet et août. Bon, à votre avis, c'est quelle saison? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? À votre avis, observez cette image. C'est quelle saison? Excellent. C'est l'été. On répète, c'est l'été. Allez, on recommence avec les trois derniers mois de l'année. On a le mois 9, ou le 9e mois. C'est le mois de septembre. C'est la rentrée de l'école. On répète, septembre. Et après, on a le mois 10, ou le 10e mois. C'est quoi? Octobre, bien sûr. On répète, octobre. Et enfin, on a le mois 11, ou le 11e mois. Comment il s'appelle? Novembre, vous êtes excellent. On répète, novembre. Allez, on revoit les trois derniers mois. Septembre, octobre et novembre. À votre avis, c'est quel mois? Observez cette image. Bravo, c'est l'automne. On répète, c'est l'automne. Maintenant, on va revoir les saisons. On a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. On répète. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ce sont les saisons de l'année. Al-Fusul, Al-Arba'a. D'accord? Il faut les apprendre par cœur. D'accord? Maintenant, observez les mots suivants. On a cette fleur et on va répéter encore les mois. Quel est le premier mois de l'année? Le premier mois de l'année est janvier. C'est quoi le premier mois? Al-Shahr al-Awwal, janvier. Le deuxième mois, ou le mois numéro 2, c'est février. Répétez, février. Et après, on a le troisième mois, d'accord? Ou le mois 3. C'est quoi? C'est mars. On a en plus le quatrième mois. C'est quel mois? C'est le mois d'avril. Bravo! Donc, on a janvier. Répétez. Bravo! Janvier, février, février, bravo, mars et avril, bravo. Allez, on continue. On a vu 4 mois et là, on va voir encore 4 mois. Après avril, il y a mai. Répétez après moi. Mai, juin. Quel est le numéro de juin? Est-ce que c'est le mois 5, 6, 7? Oui, c'est le mois 6 ou le sixième mois. Bravo! Après, on a juillet. Après juin, il y a juillet. Et le mois 8, c'est le mois août. Allez, on répète. Mai, juin, juillet et août. Allez, on continue. Le mois 9, c'est le mois de septembre. D'accord? On répète, le mois de septembre. Et après, on a le mois d'octobre. Allez, répétez après moi. Octobre.
après octobre, c'est quel numéro? Bravo, c'est le numéro 10, octobre. Et après octobre, il y a novembre. Répétez après moi, novembre. Décembre, le mois 12, décembre. Allez, on répète. Septembre, octobre, novembre et décembre. Maintenant, je vais répéter encore. Septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, on a lu les 12 mois de l'année. Et c'est quoi 12? 12, ça veut dire tnash, les 12 mois de l'année. Vous pouvez me les répéter tous? On les répète? Allez, quel est le premier mois? C'est le mois de janvier, le mois 1. Et après, on a février. Bravo, le mois 2. Après février, il y a mars, le mois 3. Et après mars, il y a avril, le mois 4. Avril, qu'est-ce qu'il y a après avril? Mai, vous êtes excellent. Continue comme ça. Mai, d'accord? On continue. Après mai, qu'est-ce qu'il y a? Le mois 6. Bravo, c'est le mois de juin. Répétez, juin. Après juin, qu'est-ce qu'il y a? Juillet, bien sûr, ce sont les vacances. Juillet, qu'est-ce qu'il y a après? Août. Répétez, août. Septembre, répétez, septembre. Octobre, répétez, octobre. Novembre, décembre, répétez, décembre. Voilà les 12 mois de l'année. Maintenant, ouvrez les cahiers d'activité, page 13. افتحوا دفتر التمارين الصفحة رقم 13. Maintenant, compléter. Est-ce que vous connaissez le mot maintenant? C'est quoi compléter? Compléter, ça veut dire akmili ou akmilo. Les mois de l'année sont. C'est quoi les mois de l'année? C'est quoi un mois? C'est bon, on a vu c'est quoi le mois. Le mois, ça veut dire al-shahr, d'accord? De l'année, al-sanawiyya. Sont, allez, janvier, février, mars, avril, bravo. Mai, après mai, bravo. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et, allez-y, le dernier mois. Le dernier mois. Al-shahr al-akhir. C'est quoi? Bravo, c'est décembre. Allez, on répète très rapidement. Les mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin le dernier mois de l'année, décembre. Maintenant, je veux que vous écoutez cette chanson. Écoutez bien et répétez avec elle. Les mois de l'année, et c'est écrit par Alain Lelay. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, c'est les 12 mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, c'est les 12 mois de l'année.
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est les 12 mois de l'année, les 12 mois de l'année, les 12 mois de l'année. Merci beaucoup. اليوم تعلمنا أيام الأسبوع والأشهر والفصول الأربعة. إلى اللقاء. Au revoir et à bientôt.